Hello, Shenpen. Ça va, Yann? Ça va bien et toi? Oui, c'est bien, merci. Bonjour à vous. Ça va, ça. Qu'est-ce qu'on va manger? Aujourd'hui, je fais chausson. Tu parles avec Haricots haricot verts. vert. C'est-à-dire, chaussons, c'est en gros des gros Oui, raviolis. maman Coran a ravioli. Grands raviolis. Oui. Alors, pour faire ceci, il vous faut de la farine complète, de la poitrine de porc, des haricots verts frais, du gingembre frais, du blanc de poireau, du poivre, du sel, du sucre, de l'huile, de la sauce soja, de l'eau très très chaude, et comme toujours, le petit coco bachentuen. Je te laisse faire. Allez, c'est parti. On commence, Ça à va mon avis, travailler par pour faire les pâtes. la pâte. Voilà. Alors, l'eau bouillante, hein, vraiment très chaude, vous voyez, vous mélangez avec la farine de blé. Farine complète. Voilà, une fois que votre pâte est faite, hop, un petit film plastique. Voilà, et on la met de côté. Mais Voilà. Et côté. pendant que votre pâte se repose, Chantaine, tu vas faire Après. la farce. Première chose, vous faites chauffer de l'eau dans une casserole. Voilà, donc vous allez blanchir, c'est-à-dire vous allez plonger les haricots verts frais, donc dans l'eau bouillante. C'est bon, c'est sorti. Voilà. Donc là, on va rajouter de l'eau froide pour les refroidir tout de suite. Gingembre frais. Le blanc de poireau. Les haricots verts, pareil, coupés fins aussi. Ouais. Pour les ravioli, les fins se sont coupées très 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 fin. fin. Ah, donc, haricots verts. Alors, pour la farce, donc un grand saladier. D'abord, c'est Donc le pas bon. porc. C'est cela. Sauce soja. Les 2 cuillères. Deux cuillères à soupe, La le viande, gingembre et le ah. blanc de poireau, Ouais. Un peu. un petit peu de poivre, Un petit du sucre sucre. et un Un petit peu petit de sel, sel. pas beaucoup. Pas beaucoup. Mélanger bien. Ouais. Un peu d'huile. Un petit peu d'huile. Une cuillère à soupe d'huile. Après, un robot vert. Haricots verts.
Voilà, la farce est prête. Ouais. Vous voyez, c'est hyper simple, hein. Puis c'est rapide. Voilà, là, on va s'occuper de la pâte. Je vais mélanger bien. Bien, on va bien la retravailler. Voilà. Bien souple, oui. Après, on en fait un boulin. Peu de farine pour votre temps de travail. Voilà. Maintenant. Et bien maintenant, on va farcir ces galettes. Oh là là. Voilà, alors la cuisson, comment ça se passe? À la poêle? La poêle. D'accord. Ouais. 2 cuillères à soupe. Vous les disposez bien donc, dans votre poêle. Vous fermez. Prenez un peu d'eau. Ouais, d'accord. Et l'eau s'est évaporée. Hein, voilà, donc l'eau s'est évaporée, vous voyez. C'est sec. Et ben, vous les tournez. Donc quand on ferme, c'est cuit. Ouais, c'est bon. Allez, 4 minutes. Oh là, ça sent bon. C'est très chaud, hein. Faites attention. Et ben voilà, c'est-il pas merveilleux ça, Shenzhen? C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Et ça, c'est chaud. Alors, fais attention. Pas grave, ça. Donc, vous voyez, eh ben, c'est hyper simple. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller manger. Hein, Shenzhen? Bon appétit. À bientôt. Au revoir.